toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré, et on est heureux de vous proposer une nouvelle émission du format Super Friends. Qu'est-ce que c'est Super Friends si vous débarquez? On vous le rappelle en deux temps trois mouvements. Super Friends, c'est simplement recevoir une personne qui, par son travail, par ses activités, fait vivre la pop culture, la culture comics et la culture bande dessinée. Et pour ce numéro, on est ravis d'accueillir Pascal Jousselin avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Pascal, si on te reçoit aujourd'hui, c'est pour parler d'un super-héros, très particulier dans le paysage de la bande dessinée qui s'appelle Imbattable. Il y a le troisième album qui vient de sortir chez Dupuis et ben, j'avais envie de t'inviter pour pouvoir parler de ce personnage. Mais avant tout, Pascal, puisque c'est la première fois qu'on te reçoit dans First Print, est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter brièvement pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas ? Eh bien, je suis auteur de BD depuis le début des années 2000. Et pour faire court, disons que depuis 2013, je bosse régulièrement pour le journal Spirou, dans lequel est né le personnage dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Imbattable. Donc ça fait 8 ans qu'il existe dans les pages de l'hebdo Spirou. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de sa création ? Comment est-ce que ce personnage t'est venu à l'esprit ? Eh bien, moi je fais de la bande dessinée depuis... J'ai fait mes premières bandes dessinées, je savais à peine lire, tout petit. Donc bref, j'en ai toujours fait. Mmh. Et donc c'était un truc c'est un truc très important pour moi. Et c'est venu assez naturellement. Ça faisait donc quelques années que je faisais de la bande dessinée. Et puis, j'ai fait 2 planches, à vrai dire, 2 pages avec ce petit personnage, dont une seule finalisée, l'autre c'était sous forme de croquis. Et puis, je me suis dit, tiens, peut-être que ça pourrait intéresser le journal Spirou. Je connaissais personne là-bas. Donc, j'ai tenté le coup. Mais je pensais franchement... pas pouvoir tenir très longtemps avec un concept aussi minimaliste. Donc, le rédac-chef m'a répondu tout de suite, très rapidement, qu'il était intéressé. Et moi, en contrepartie, je lui ai dit assez rapidement que je pensais que j'allais tenir 6 ou 7 planches avec un principe aussi simple. Et puis, ben, petit à petit, je me suis rendu compte que ce principe permettait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Et on n'a pas expliqué le principe, donc je vais l'expliquer. Ouais, c'est ça. J'allais rebondir là-dessus en disant, mais du coup, le principe, qu'est-ce que c'est d'un bata ? Parce que voilà, c'est pas un super-héros comme les autres. C'est vrai seul super-héros de BD, et donc avec la BD vraiment à prendre au sens littéral du terme. Ouais, exactement. Tout à fait. En fait, il a un pouvoir qui ne peut exister qu'en bande dessinée. Imbattable, son super pouvoir, c'est de pouvoir voir ce qui se passe dans les autres cases de la planche. C'est-à-dire que s'il se penche, il voit ce qui se passe en dessous de lui, donc le strip inférieur. Donc, il voit le futur et il peut voir le passé. Il peut aussi interagir en se déplaçant ou en se lançant des objets. Donc, en fait, oui, c'est venu... parce que j'aime beaucoup la bande dessinée et que ça m'a amusé à un moment donné de me dire, tiens, la bande dessinée n'est pas un truc, une sorte d'hybride entre le dessin animé et l'illustration, c'est un mode d'expression à part entière, donc amusons-nous à faire quelque chose qui ne peut justement être fait qu'en bande dessinée, des choses qui seraient intransposables ailleurs, quoi. Imbattable, si on essaye d'en faire un roman ou on essaye de l'adapter au cinéma, c'est impossible parce qu'il perd son super pouvoir. Et alors, c'était dès le départ, donc, cette idée juste de se déplacer entre les cases, où d'abord tu joues un peu sur la verticalité, puis après tu vas aller progressivement beaucoup plus loin, c'est-à-dire même en jouant sur l'aspect physique, puisque parfois, en fait, tu vas déchirer une page et ça va avoir un impact aussi sur ce que les personnages voient avec la déchirure. À d'autres moments, en fait, tu vas avoir des personnages qui vont traverser littéralement en fait, les planches. Comment est-ce que tu as pu développer ces idées au fur et à mesure ? Parce que j'imagine qu'à la base, c'était vraiment juste qu'ils se déplacent de case en case, mais sur une planche, et justement, bah, tu es allé beaucoup plus loin que le concept de base. Oui, alors après, oui, tout ça est venu très progressivement.
Je j'ai jamais eu la prétention de faire des choses. Enfin, je veux dire, c'est des choses qui existent depuis hyper longtemps, en fait. Les gens qui se sont amusés à jouer avec le médium bande dessinée, ça existe quasiment depuis que la bande dessinée existe, quoi. Puis plus le temps passe, plus je découvre encore des trucs. En fait, ça a toujours plus ou moins été fait. Moi, j'ai été marqué quand j'étais adolescent par Fred ou par Gottlieb, des gens comme ça. Puis après, par Marc-Antoine Mathieu. Enfin bref, il y a vraiment des centaines d'auteurs qui s'amusent avec le langage de la bande dessinée. Donc voilà, moi, c'était histoire de. Enfin, je m'inscrivais bien humblement dans ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que en étant accepté chez Spirou, ça a influé en fait la direction qu'a pris le projet. Parce qu'en fait, j'avais que deux planches. Naturellement, moi, je l'ai fait avec ce ton un peu décalé de super-héros qui a toujours son costume, qui vit dans un petit lotissement à la Boulébile. Enfin, mais disons que le fait d'être dans le journal Spirou, avec le passif et l'histoire qu'a jusqu'à ce journal, je pense que ça a influé aussi la direction qu'a pris le projet assez rapidement. Ce mélange de bande dessinée franco-belge, de jeux un peu sur le langage BD et puis de trucs un peu plus parodiques. Donc, le ton s'est mis en place au bout de 3-4 pages. C'est vraiment l'histoire, la quatrième planche, celle avec le chat dans l'arbre, où ça a été le déclic. Je me suis dit, voilà, c'est ce ton-là que j'ai envie de développer. Comme ça se passait bien avec Spirou, et que surtout, je me rendais compte que finalement, ce petit pouvoir permettait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Je leur ai demandé assez rapidement de ne pas être cantonné au gag en une page. Et vu qu'ils ont accepté tout de suite, mon rédac-chef, qui est aussi mon éditeur, qui s'appelle Frédéric Niff, a accepté tout de suite, ben voilà, ça m'a ouvert plein d'autres possibilités que j'aurais jamais eues si j'étais resté sur un format une page, quoi. Donc, j'ai eu cette chance à un moment donné qu'il me laisse libre de choisir ma pagination en fonction des idées que j'avais. Ça a été la première ouverture. Et la seconde ouverture, c'est quand je me suis dit, mais tiens, si je lui faisais rencontrer et affronter d'autres personnages qui ont eux aussi des pouvoirs qui ne peuvent exister qu'en bande dessinée. Voilà. Et tout ça dans une espèce de logique. Il fallait que ça reste logique. Se dire, tiens, dans un univers où il y a un des personnages qui a le pouvoir d'imbattable, comment ça se passe concrètement? Les autres comprennent pas, voilà. Donc chaque fois que je ramenais un nouveau personnage, il fallait prendre en compte tout ce qui avait déjà été fait, comme dans la plupart des séries, hein. Mais c'est vrai que ce qui est amusant de travailler pour une revue, c'est que les planches que je faisais m'échappaient tout de suite, étaient tout de suite diffusées. Donc j'ai eu un univers qui s'est construit brique par brique, chose qui n'aurait, enfin, il se serait pas du tout construit de la même manière si j'avais fait l'album dans mon coin tout seul et que j'étais allé le démarcher. Une fois terminé, parce que je serais revenu sûrement, j'aurais fait mes marches arrière, là, quoi qu'il se passe, on fait la planche, elle passe dans le journal, après on décide de la reprendre ou non dans le recueil, mais en tout cas, elle a été lue par les lecteurs. Donc quoi qu'on fasse, on a fait quelque chose qui est à prendre en compte. Et ça, c'est assez amusant de se laisser porter par ça, ainsi que par ben des fois tout bêtement des numéros spéciaux du journal où on nous dit, tiens, est-ce que t'as pas une idée sur un numéro thématique sur tel truc? Et notamment dans le dernier album, il y a quelques histoires qui sont nées parce que c'était un numéro spécial. L'histoire avec la Lune, c'est parce qu'il faisait un numéro anniversaire sur les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc, il m'avait dit, est-ce que tu n'aurais pas une histoire d'imbattable? Donc, j'ai un peu réfléchi et puis j'ai eu cette idée-là. Donc, ce qui est amusant, c'est que quelque part, peut-être que cette histoire n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette contrainte supplémentaire de thématique, quoi. Donc, le fait que c'est vraiment pas anodin que le fait que cette série soit développée dans le journal Spirou. D'ailleurs, je pense franchement, comme au début, je ne pensais pas pouvoir
que le concept était trop mince pour tenir longtemps. Je pense que si Spirou n'avait pas accepté le projet, je pense que ben, il serait mort. Je ne l'aurais pas démarché en tant qu'album, puisque je pensais à l'époque ne pouvoir faire qu'une dizaine de pages et puis qu'après ça tournerait en rond. Ouais. Alors c'est marrant parce que justement ce genre de pré-publication dans le journal Spirou, comment ça fonctionne un petit peu, c'est-à-dire parce que c'est un journal qui a une publication hebdomadaire. Moi je t'avoue que je ne lis plus Spirou depuis quelques années, mais du coup c'est tu prévois plusieurs planches à l'avance, c'est vraiment en fonction du numéro, en fonction de ce qu'on te demande, comment tu dois gérer ton rythme de travail quand tu sais que tu dois être publié là-dedans? Eh ben, c'est un peu ce qui m'a sauvé aussi, le fait de plus être sur une pagination, enfin, le fait de ne pas être sur une pagination définie, quelque part, ça m'a permis de ne pas être coincé. C'est qu'il pouvait plus, il pouvait pas programmer avant, il pouvait pas programmer en amont. Enfin, pour être clair, la plupart des séries, c'est des gags en une page ou des gags en, enfin, des histoires courtes en temps de page. Ou alors, c'est de la prépublication, d'aventures ouais. longues. Mais souvent, les gens s'engagent à faire une série, donc il faut qu'ils livrent leur page toutes les semaines. Moi, le fait d'être parti avec une pagination qui, tout d'un coup, s'est ouverte, je me suis retrouvé dans une situation où la rédaction ne pouvait plus programmer en amont mes futures aventures, puisqu'il ne savait pas si elle allait faire une, trois ou cinq pages. Donc, il ne pouvait les programmer que lorsque je l'avais écrite. Quoi. Mmh. Et donc, lorsque j'avais envoyé le storyboard à mon rédac chef. Donc, une fois qu'on était d'accord sur le storyboard, là, il programmait l'histoire et moi, je livrais les planches. Donc, j'avançais vraiment histoire par histoire. Donc, ça a été un rythme assez... C'est paru dans le journal un rythme assez irrégulier. D'ailleurs, on n'en est qu'au troisième tome après aujourd'hui. Donc, je suis à 150, 160... 160 pages, peut-être un peu plus. Mais en 8 ans, donc 8-9 ans, donc c'est pas énorme. En 8 ans, c'est pas énorme. Surtout qu'on a vu qu'il y avait quand même une pause un peu plus importante entre la parution en album des tomes 1 et tome 2 et du tome 2 et du tome 3. C'est parce que tu avais ralenti le rythme, tu étais embarqué aussi sur d'autres projets, j'imagine. Alors, le tome 1, il s'est passé plusieurs choses. Comme moi, au début, je pensais réussir à faire 10 pages. Les choses se sont vraiment débloquées que petit à petit. Donc, le fait de pouvoir faire des paginations plus larges, le fait de me dire, tiens, si je lui faisais rencontrer d'autres personnages ayant d'autres pouvoirs, donc ça m'a ouvert pas mal de possibilités, mais au final, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais peut-être réussir à faire 30 pages. Et puis après, je me suis dit, je vais peut-être réussir à faire l'équivalent d'un album. Après, tiens, peut-être 60 pages. Donc, mais à aucun moment... Là, c'est pareil, je sais pas si je ferai un tome 4. Donc, en fait, les choses sont mieux progressivement. Donc, le fait de programmer ça en tant qu'album est venu assez tard. Et puis, j'ai Dupuis, à l'époque, il ne savait pas trop dans quelle case le mettre. Il ne savait pas trop par quel bout prendre ce projet-là, parce que ça doit être tout public. Il voyait bien qu'il y avait pas mal d'adultes qui étaient intéressés, qui le lisaient aussi. Donc, est-ce qu'on le mettait dans la case 46 planches couleurs et qu'il risquait d'être connoté jeunesse et puis du coup de se couper, et inversement de le faire dans un format plus bizarre et du coup se couper du lectorat jeunesse. C'était des décisions qu'il fallait prendre. Donc ça a un peu traîné. Moi, vu que je savais pas combien de pages j'arriverais à faire et qu'en plus, voilà, moi j'étais rémunéré pour la publication dans Spirou, donc si vous voulez, rien ne me pressait, quoi. Le tome 1, en effet, est sorti assez tard. Et suite à ça, d'ailleurs, par rapport à ce que je te dis là, sur les questions que se posait Dupuis, il y a même un moment donné où il devait sortir plus tôt, et puis mon éditeur m'a appelé un jour et m'a dit, écoute, là j'ai eu des réunions avec les commerciaux de chez Dupuis et je sens qu'ils n'arrivent pas bien à cerner le projet et on risque d'aller dans le mur si on le sort maintenant, quoi. Il me dit, on a fait le contrat, donc si tu veux vraiment qu'il sorte, il sort, mais d'après moi c'est un peu risqué. Donc voilà, moi, c'est quand même assez rare que des éditeurs se posent. Souvent, ils laissent les albums vivre, ils les sortent, et puis bon,
Donc là, pour une fois que je tombais sur un éditeur qui avait envie de trouver des solutions pour que l'album ait toutes ses chances de rencontrer son public, je me suis dit, ben voilà, je suis pas à quelques mois près. Donc ça a repoussé quasiment d'un an la parution, mais du coup, quand l'album est sorti, ben voilà, il y avait toute l'équipe du Puy derrière. Et puis en plus, comme il commence à être un peu attendu, parce que les libraires reçoivent Spirou quand même, plus les lecteurs, on a eu la chance d'avoir beaucoup de visibilité à ce moment-là, quoi. Et après, c'est mon rythme de travail, quoi. Je fais des histoires que quand j'ai des idées. Donc, on fait les albums que quand il y a de quoi en remplir un, quoi. D'accord. En termes d'influence sur le côté super-héros, tu lis du super-héros un petit peu, ou des choses que t'as lues, t'as des influences dans ce registre-là? Non, pas vraiment. Enfin, j'en lis un petit peu, mais je suis pas du tout pointu là-dessus. J'ai aucun problème avec. Enfin, c'est pas. J'ai aucun souci avec ça. C'est pas du tout du goût. Mais c'est un peu. Non, je suis pas très pointu là-dessus. Je lis les comics quand j'en ai sous la main. C'est vrai que je suis plus. Enfin, bande dessinée indépendante américaine. Donc, j'ai une culture de super-héros qui est quand même très très limitée. En fait, le choix de faire un super-héros, c'est juste parce que j'étais sur des gags en une planche et qu'à partir du moment où je me suis dit, tiens, si je fais un personnage qui a cette capacité-là, c'était forcément un super-pouvoir. Donc, en fait, c'est venu très naturellement de se dire, bon, bah, je vais en faire un super-héros parce que finalement, c'est un super-pouvoir, son truc. Et puis, ça permet de mettre tout de suite en une case, on a tout de suite compris de quoi il s'agissait, puisque on a un personnage avec un costume. Donc, c'est presque le concept même qui a décidé d'en faire un super-héros et d'être sur le décorum de super-héros. Et justement, tu mentionnes un peu juste de la bande dessinée, enfin des romans graphiques américains indépendants. Qu'est-ce que tu préfères? C'est quoi les œuvres qui te marquent dans ce registre-là? Ben, les déclics, ça a vraiment été des gens comme Daniel Clowes dans les années 2000, quoi, 90-2000. Daniel Clowes, les frères Hernandez, ben forcément, bon là c'est anglais, mais Alan Moore et son travail sur les super-héros, forcément. Les Canadiens, Seth, Joe Matt et Chester Brown. Ben Chris Ware, forcément, quand Chris Ware est arrivé. Voilà. Et puis, sinon, je ferais que c'est aussi le strip américain, les Peanuts, Bill Watterson. Et puis, j'ai découvert Cul-de-sac grâce à la belle réédition d'il y a quelques années là, chez Urban. Là. Je ne connaissais pas du tout. J'ai trouvé ça incroyable, Cul-de-sac. Et voilà. Et en comics plus mainstream. Qu'est-ce que j'ai lu? Oh, un peu de tout. Je lis ce qui me tombe sous la main. J'ai bien aimé Gotham Central récemment. Très très bien. Et puis, oui, bah, rien ne me vient particulier là, mais voilà, j'ai pas de j'ai des goûts assez larges en bande dessinée. Parce que dans le deuxième tome, tu faisais quand même apparaître certains membres de la Justice League dans une histoire où justement t'emmènes imbattable aux États-Unis. C'était quand même une façon de leur rendre un petit hommage. Oui, et puis inévitablement, quand on fait un super-héros, après j'ai la culture de base de tout le monde, c'est-à-dire que je connais Hulk sans jamais avoir lu d'épisode de comics de Hulk. Donc, en effet, inévitablement, il y avait eu le côté parodique qui est arrivé, qui est plus flagrant en effet quand ils vont aux États-Unis, mais qui est arrivé de manière un poil plus cachée dans le tome 1, parce que la première personne qu'il affronte, c'est un grand-père, un pépé qui est bouliste, qui a son pouvoir que quand il s'énerve, il change de couleur. Bon, et après, il rencontre aussi une espèce de double du Joker, mais version Ouais, le plaisantin. le plaisantin, voilà.
que là, enfin pour le nom, c'était clairement, tu voulais juste transposer Joker en français, je Oui, t'en voilà, cache c'est pas. ça, avec Oui. le côté un peu désuet. Il y a toujours un petit côté désuet dans Imbattable, un peu décalé comme ça de vieux termes. Et ma coloriste, ben, elle est partie sur un peu une gamme inversée, une gamme couleur un peu inversée du Joker, justement. Vous regarderez, enfin, les lecteurs peuvent regarder. C'est vrai que les couleurs choisies pour mettre enfin, pour habiller le plaisantin. Se rapproche de celle du Joker. Mais justement, tous ces personnages que tu as bâtis, comment on construit un univers, comment on construit du coup ces super vilains, mais même les sidekicks un petit peu, puisque à l'instar quelque part d'un Batman, ben Imbattable a aussi un sidekick, un jeune adolescent qui s'appelle Toody. On a aussi même la police qui intervient. On a Jean-Pierre qui est peut-être pas l'équivalent de Gordon non plus, mais qui est l'agent de la police locale, puisque tu restes dans un contexte un petit peu de petit village français. Comment est-ce que tu as pu développer tous ces personnages, ils te viennent comment à l'esprit? Ben, c'est vrai que c'est venu assez naturellement, mais tu as raison de parler de Gordon et de. Parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait ce côté super-héros de proximité. Donc ça m'a amusé que finalement de se dire, tiens, il n'est pas dans une énorme technopole, genre Gotham City, où il est vraiment dans une petite cité pavillonnaire, une petite ville tranquille. Il n'est pas ami avec Gordon ou un agent du FBI, mais avec un petit gendarme. Et pareil, son sidekick, c'est un stagiaire de troisième qui a la Ouais, c'est voiture. ça. Donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des passages un peu obligés, même si on est sur les histoires de super-héros, le savant fou, des choses comme ça. Ouais. Je pense qu'il y a un mélange aussi de culture, de bande dessinée franco-belge. C'est vrai que le savant fou, c'est autant finalement des vieilles aventures de héros franco-belges que des histoires de super-héros. Mais c'est vrai que comme j'ai vraiment écrit les histoires au fur et à mesure, tout ça s'est fait assez naturellement, de manière vraiment instinctive. Et j'ai vraiment, même, j'ai eu du mal à trouver le premier vrai méchant. Je fais toujours un pas de côté parce que j'avais du mal, vu l'univers, à envoyer des personnages en prison. Donc le premier méchant, j'ai dit, qu'est-ce qui justifierait que ce mec-là, que ce méchant aille en prison? Ouais, c'était assez. J'ai mis vraiment beaucoup de temps, et la plupart du temps d'ailleurs, il y a très peu de vrais méchants dans Imbattable. C'est souvent des incompréhensions qui les font affronter des personnages, quoi. Oui, et puis même dans le cas du plaisantin, qui est un peu ton vrai méchant de départ, au final, ses envies, c'est pas non plus de vouloir tuer des gens ou dominer le monde, c'est juste de, voilà, parce qu'il a ses petites lubies, il veut que tout le monde fasse. C'est de la méchanceté, mais bon, on n'est pas dans un. Voilà, c'est pas un psychopathe criminel forcément. Oui, bah, tu mets le doigt sur un truc intéressant parce que, en effet, finalement, il y a plusieurs ch choses dans Imbattable, et donc l'aspect visible de l'iceberg, ça va être les astuces sur le langage BD, un personnage qui traverse la page, un autre qui va rendre les bulles vont devenir physiques. Donc, on va souvent me dire, ah, c'est compliqué à écrire tout ça, mais finalement, la vraie complexité pour moi, enfin, ce qui est vraiment le plus dur finalement, c'est d'intégrer tout ça dans l'univers d'Imbattable et trouver des motivations des méchants qui sont raccord avec l'univers d'Imbattable. Donc, les méchants doivent être décalés, et donc à chaque fois, il faut trouver une motivation. Ouais, voilà, raccord avec cet univers. Donc c'est sûrement pour ça tous les pas de côté, en faisant des méchants qui en sont pas vraiment, quoi. Mais justement, c'est alors quand tu as une histoire, notamment quand c'est celles qui sont vraiment développées sur plus que quatre planches, qu'est-ce qui intervient en premier? C'est l'idée de l'astuce narrative et après ou c'est l'histoire? Et par exemple, dans le cas des bulles qui deviennent physiques, est-ce que c'est d'abord tu dis
en recherchant un peu comment varier les idées, tu dis, ah, ça, je peux le faire, les buts, c'est vrai qu'elles sont là, mais qu'est-ce qui se passe si elles sont physiques? Et ensuite, tu développes l'histoire autour. Ou alors, tu avais envie, je sais plus, juste de raconter l'histoire d'un papy qui s'énerve, ou alors d'un maire un petit peu véreux parce qu'il y a aussi ce genre de thématiques. Ouais, non, c'est ce que tu dis, ce que tu as dit en premier. Dans le cas de Pépé Cochonnet, c'était vraiment ça, me dire, tiens, je vais faire quelque chose avec les bulles. Donc, comment faire une histoire qui me semble intéressante et comment intégrer ça dans l'univers d'Imbattable. Quand il y a une nouvelle astuce, c'est souvent ça. Quand c'est des choses plus variations sur le même thème, parce qu'il n'y a pas des nouveaux personnages ou des nouveaux jeux sur le langage BD dans chaque histoire, souvent, là, c'est plus une envie de raconter quelque chose. Donc j'essaye de, voilà, de panacher tout ça à partir du moment où ça commençait à sortir en album. La question d'équilibrage des histoires, justement, de trouver des nouveaux persos, des histoires longues, des histoires courtes, des variations sur les mêmes, sur des choses déjà défrichées et puis des nouveaux pouvoirs. Voilà, c'est venu de manière plus prégnante. Parce qu'au début, c'est vrai que voilà, je faisais quand j'avais l'inspiration. Après, il a fallu prendre en compte la contrainte de se dire, bon, si je veux un tome 2 équilibré, il faut qu'il y ait quand même le lot de nouveaux personnages. Et pareil pour le tome 3. Et lorsque je fais, en règle générale, lorsque je fais réintervenir un personnage, c'est parce que j'estime que je n'ai pas fait le tour de tout ce qui permettait. Le plaisantin. Il y a une deuxième aventure avec le plaisantin qui s'échappe de prison. C'est parce que voilà, je me suis dit, tiens, c'est encore possible de faire des choses avec lui. Même chose pour Pépé Cochonnet, lorsqu'ils font équipe et qu'ils traversent l'Atlantique pour aller aux États-Unis. Ouais, oui, justement, oui, ils affrontent Chromaline qui, elle, permet de jouer sur toutes les couleurs. Donc là, j'imagine que c'est ta coloriste qui a pu beaucoup s'amuser. C'est toi qui lui as donné des indications ou elle te proposait aussi des choses à faire sur le thème de l'impact des couleurs dans la bande dessinée? Alors Laurence, ma coloriste, elle m'avait soufflé une idée qui finalement est plus. Elle m'avait soufflé l'idée du ton de soutien. Alors c'est un truc un peu technique, mais finalement, on va dire que ça s'est plus dérivé en l'aventure qu'il y a dans le tome 3, Opération Jean-Pierre avec un vernis sélectif. C'était plus un procédé d'impression presque. Le ton de soutien, si vous voulez, c'est. En bande dessinée, le noir, il vient en surimpression sur nos couleurs. Donc, si sous ce noir, il y a deux couleurs différentes, on va voir à travers, parce qu'à un endroit, le noir 100% va s'additionner avec le papier blanc, donc avec rien du tout. Et si à côté, ce noir 100% s'additionne avec un rouge qu'il y a en dessous, eh ben, il va paraître beaucoup plus foncé, quoi. Donc on va avoir un aplat noir, mais on va avoir des nuances dans cet aplat noir. Donc techniquement, on ajoute un ton de soutien qui se glisse sous le noir pour unifier, pour pas qu'il y ait ce genre de souci de transparence. Bref, donc elle m'avait parlé de ça. Et finalement, l'idée est plus partie sur utiliser un vernis sélectif pour faire une histoire. Un vernis qui vient en plus en surimpression. Mais la couleur, non, c'est moi qui ai eu l'idée. Par contre, en effet, oui, pour toutes les vibrations, à un moment donné, l'idée, c'était que le personnage se défende en faisant vibrer les couleurs. Là, oui, je me suis même déplacé chez elle pour qu'on voie vraiment ensemble comment agencer le jeu de vibrations couleurs sur les pixels pour que ça fasse un peu mal aux yeux, quoi. Oui, parce que j'ai quand même aussi une question à te poser, c'est sur la complexité de certaines histoires, parce que même si, enfin, je pense que ta force quand même, c'est de réussir à nous faire comprendre des histoires ou des gags avec voilà, de la lecture, en fait, où on est obligé de parfois en fait arrêter de suivre le fil narratif habituel. Mais toi aussi, dans la construction, c'est comment tu construis tout ça sans t'y perdre? Parce que je pense vraiment, tu vois, à certaines histoires sur le long cours. Donc, par exemple, quand le plaisantin doit traverser une page littéralement, bah, tu dois prendre en compte le fait que ce que tu vas dessiner sur la page
de l'autre côté, en fait, doit se répondre à ce que tu dessines sur l'autre. Je ne sais même pas si j'arrive à être assez clair, mais les gens qui ont vu sauront. Mais de la même façon, tu as une histoire ou un moment où tu t'amuses un peu à dédoubler les dimensions. Et donc, sur le papier, ça se traduit par le fait que tu as une demi-planche en fait qui s'ouvre et qui permet d'avoir deux histoires en parallèle. Donc, c'est vraiment les dimensions parallèles. Et c'est ça, en fait. Mais dans cette construction-là, comment est-ce que tu arrives à voir les plans en te disant, donc, dans cette case, je dois dessiner ça pour que de l'autre côté, il y ait ça qui apparaisse et que tout en bas, en fait, un batave aussi, peut-être faire une référence à ce qui se passe tout au-dessus de lui. Et enfin, parce que moi, c'est vraiment ça qui m'impressionne à chaque fois que je lis tes planches, c'est je me dis. Mais comment est-ce que dans ta tête, ça arrive à être clair pour que le résultat apparaisse comme ça? Est-ce que tu retravailles des planches aussi parfois ou est-ce que c'est très limpide dès le départ? Ben, c'est sûr que pour des trucs très visuels comme ça, c'est tout de suite le storyboard. Le storyboard. Et souvent, par exemple, pour prendre une des planches du début, une des plus connues qui est le chat, il se baisse pour attraper un chat dans un arbre, pour des raisons d'efficacité. Il n'y avait pas 50 000 endroits où la mettre, où situer l'action dans la planche. Donc, en gros, j'ai ma planche. Je me dis, bon, là, il faut mieux que ce soit au milieu pour qu'on ait un avant, un après sur la même ligne. Donc, l'action va se passer là. Donc, en gros, il y a la contrainte spatiale de se dire, l'action se passe à tel endroit de la planche. Donc, ensuite, il faut presque remplir. Donc, il faut une intro et il faut une conclusion. Donc, souvent, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je me dis, bon, l'action va se situer à tel endroit, donc j'ai tant de cases pour amener ça, ou pour. Là, c'est bien, j'ai le temps de faire un petit gag. C'est pour ça que ce serait impossible pour moi de déléguer ce projet-là, d'en faire que le scénario, parce que finalement, jusqu'au dernier moment, assez rapidement, je passe au storyboard. D'ailleurs, ce que j'envoie à mon éditeur, c'est vraiment un storyboard assez poussé où. Tout le monde pourrait lire potentiellement l'histoire et la comprendre. Ça me permet vraiment de me rendre compte de voir si tout fonctionne. Mais voilà. Après, il y a aussi une gymnastique que font n'importe quels auteurs de BD. Moi, j'ai fait beaucoup de gags de strip, des gags en quatre cases ou des gags en demi-page. Et finalement, cette gymnastique-là de faire rentrer de trouver les moyens de faire rentrer dans un espace donné une histoire, se dire, ah tiens, bon, j'ai que ça pour la faire pour raconter cette histoire, donc je vais essayer de condenser telle et telle action en une seule case. Là, je vais découper en. Finalement, c'est un exercice que quasiment tous les auteurs font. Ça se voit pas fort. Enfin, sur un truc comme Imbattable, ça. Forcément, il y a un truc un peu démonstratif, donc les gens s'en rendent plus facilement compte, mais il y a vraiment cette contrainte-là qui est inhérente à la bande dessinée, de se dire, tout est lié à l'espace en bande dessinée. Le temps, le son, tout est de l'espace. Il faut gérer de l'espace tout le temps, en fait. La planche, l'entité planche. On sait que quand on va passer d'un strip à l'autre, ça va créer une ellipse un peu plus importante que d'une case à l'autre. Quand on va passer d'une page à l'autre, ça va passer une ellipse encore un peu plus importante. Quand on tourne la page, encore plus importante. Donc, on essaye toujours de se débrouiller pour faire rentrer les choses dans des petits carrés, quoi. Donc, finalement, Imbattable, voilà, c'était finalement des contraintes qui s'ajoutaient à tout ça, mais c'est une gymnastique à laquelle on est habitué en tant qu'auteur. Et moi, en faisant les formats courts, j'étais quand même très habitué à ça, dire voilà, j'ai tel espace donné pour comment je réussis à faire rentrer telle histoire dans tel espace, quoi. Puis il y a cette idée aussi géniale, je trouve, d'utiliser la gouttière, en fait, et de la matérialiser sous ce que tu appelles le grand vide, et qui, en fait, est vraiment. Voilà, donc tu t'es dit, en fait, cet espace blanc où ça s'arrête, c'est la limitation un peu de leur réalité à tes personnages, et s'ils tombent dedans, c'est foutu. Ça aussi, ça devient, alors, en y réfléchissant, en te disant juste, bon, qu'est-ce que je vais trouver de nouveau? Et tu fais, ah, mais attends. Cet espace blanc et tout, si j'en faisais vraiment quelque chose de plus concret que juste un espace entre mes cases. Ouais, il y a de ça, mais il y a aussi des choses qui se font naturellement. C'est que, au final, je l'ai fait traverser
quand il passe d'une planche à l'autre ou quand il se lance un objet, en effet, il traverse cet espace-là et on se dit, bon, qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. C'est se dire, bon, qu'est-ce que c'est que cet espace-là dans l'univers d'imbattable que j'ai créé depuis le départ. Et en effet, tu te dis qu'a priori, si quelque chose tombe et sort de la page, c'est perdu à tout jamais, quoi. Donc, c'était... Oui, voilà. C'est marrant de... Petit à petit, et c'est ça qui devient de plus en plus... Enfin, pas compliqué, mais à prendre en compte, en tout cas, c'est que chaque nouvelle aventure, quelque part, on complexifie le... Enfin, on détermine de plus en plus l'univers dans lequel évolue Imbattable, quoi. Donc, c'est à prendre... On peut pas... faire quelque chose et faire le lendemain quelque chose qui contredirait ce qu'on a mis en place. Donc, en effet, on fait une histoire comme le grand néant. Ouais. Après, ce que, voilà, moi, c'est amusant de se dire, oui, voilà, c'est cette logique-là. Après, il n'y a qu'un Imbattable qui voit chose-là. Donc, c'est vrai qu'il y a ce décalage avec le fait que lui seul est conscient forcément d'être un personnage de BD ou d'évoluer dans une BD. Et ça, enfin, c'est là aussi que tu joues vraiment sur l'humour absurde avec souvent ces répliques de « on comprend pas ce qu'il fait, mais c'est vachement bien quand même ». Ouais. Et puis après, c'est vrai que c'est assez casse-gueule parce que la frontière est très mince. Parce qu'il est, quand on lit une des premières histoires avec Pépé Cochonnet, on comprend qu'Imbattable ne voit pas les bulles. Sinon, il comprendrait ce qui se passe. Donc, en fait, c'est plus complexe que dire c'est quelqu'un qui a conscience d'être dans une bande dessinée, ouais. Qui ne voit pas les bulles. C'est quelqu'un qui a conscience d'être dans des séquences de temps et, ouais. Sur une double, enfin, et il a la notion de page et la notion de case, quoi. Donc oui, c'est marrant. Mais tu vois, je ne m'étais jamais dit Imbattable, c'est quelqu'un qui ne voit pas les bulles. C'est juste qu'après, quand je fais l'histoire de Pépé Cochonnet, bah, ça induit ça, quoi. Ouais, parce que ça, sinon, ce n'est pas logique avec ce que tu avais écrit auparavant. Ouais. Et puis c'est du son, c'est normal. Pour les autres personnages, les bulles, c'est du son. Les autres personnages, eux, c'est la réalité, donc ils entendent quelqu'un parler, ils ne voient pas les mots. Imbattable ne les voit pas non plus. Donc c'est ça, et c'est assez marrant, je me suis rendu compte de ça aussi, je fais souvent ça, même dans mes autres BD, c'est assez souvent que seul le lecteur a toutes les clés de compréhension, que seul le lecteur a une vision globale du truc et a tous les tenants et les aboutissants que souvent mes personnages principaux n'ont pas, quoi. Alors toi, c'est vrai que comme la série elle paraît d'abord dans Spirou, t'as pas forcément une réflexion à te dire, parce que nous, moi je la découvre en album, mais à te dire bon, pour le prochain album il faut quand même que j'ai la nouveauté ou le nouveau concept qui va quand même un petit peu marquer l'album. C'est-à-dire que tu avais quand même la grande histoire du plaisantin dans le premier, dans le deuxième on va dire que tu as Chromaline, et dans la troisième tu as l'épisode avec l'autre dimension, avec la dimension des dieux. On va dire qu'ils sont tous les trois des instants on va dire assez marquants, en fait les concepts les plus marquants de... Mais toi, c'est pas comme ça que tu réfléchis alors? Un petit peu quand même, parce que en effet, tout au début, je les faisais au fur et à mesure, mais l'album donc est sorti en 2017, le premier album. Donc à partir de là, il y a eu la notion de... Quand le premier album est sorti, on avait, je ne sais pas, j'avais peut-être fait 70 ou 80 pages. Donc on a vraiment pu faire un tome 1, remonter un tome 1, construire un tome 1 avec les histoires déjà existantes. C'est assez proche de l'ordre chronologique, mais c'est quand même pas l'ordre chronologique d'apparition. Donc on reconstruit quelque chose pour faire un tome 1 qui nous semble équilibré. En effet, pour le tome 2, il fallait moi j'estimais qu'il fallait en effet des nouveaux personnages et des nouveaux pouvoirs. Et puis, il y a quand même une chose qu'il y a dans chaque album aussi, qu'on essaye d'avoir pour l'instant, c'est une intervention sur l'objet livre, quoi.
À partir du moment où on est resté, on a décidé de faire quand même un 46 pages couleur, c'est-à-dire de le positionner dans la case très classique de l'album 46 planches carte des couleurs, on s'est dit, bon, moi, ça me paraissait important pour ne pas frustrer les lecteurs adultes qui nous suivaient et qui étaient plus intéressés par l'aspect expérimental un peu de tout ça, de se dire, il faut quand même qu'on ait une intervention en plus sur l'objet, sinon ça va être un peu frustrant. Donc, ça a été la découpe dans le tome 1, le rabat dans le tome 2, et dans le tome 3, c'est cet encre supplémentaire de vernis sélectif. Et donc, en effet, ça c'est des choses que je me suis imposées pour voilà, c'est pour me dire, voilà, j'espère, faire des tomes qui me semblent équilibrés. On est notre premier lecteur, quoi. Après, on voit si ça convient à nos lecteurs, mais en tout cas, voilà, nous, on t'essaye de faire ce qui te semble mieux, quoi. Et puis, il y a quand même aussi une trajectoire un petit peu d'évolution de tes personnages, que j'ai quand même eu l'impression au fur et à mesure de la lecture, c'est que justement tu n'utilises plus non plus les personnages après pour leur simple capacité ou leur simple un petit peu apport humoristique à l'univers d'Imbattable, mais ils commencent à avoir leurs propres envies, leurs propres arcs narratifs. Hein. Tidou, il est amoureux. Jean-Pierre a aussi, en fait, on découvre son passif et ça, la tragédie qui l'a touché. Et ouais, et c'est marrant parce que du coup, ce troisième album a un côté un peu plus, je dirais, ouais, un peu plus mélancolique, un peu plus porté sur l'émotion et sur en fait, la personnalité vraiment de chacun de ces petits personnages. Et tu vois vraiment l'univers et les personnages évoluer, alors qu'au départ, peut-être qu'il y avait juste une volonté de s'amuser juste purement et simplement sur la BD. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que c'est une contrainte que je me suis mise aussi désormais. Me dire nouvelles aventures, c'est-à-dire soit des variations sur le même thème ou soit des nouveaux jeux sur le langage BD. Mais je me suis dit aussi essayer dans la mesure du possible, de faire creuser un peu les persos, de faire avancer un peu tout ce petit monde, quoi. Et puis, c'est les choses qui se font naturellement aussi, parce que on amène toujours des personnages pour les besoins d'une histoire, sans savoir si on va les reprendre ou pas. Et puis, au bout d'un moment, on a un tel paquet de personnages à l'arrière-plan que lorsque j'ai besoin d'un barman, je vais dire, je vais reprendre le barman que j'ai décidé dans telle histoire. Le boucher qu'on voit pas mal dans ce tome-là, c'est aussi que on le voyait dans le tome 1, un boucher qui avait un souci avec sa voiture, Toudy lui avait rétréci sa voiture. Et régulièrement, je me suis dit, quand j'avais besoin d'un personnage et qu'il arrivait des embrouilles, je me disais, tiens, je vais reprendre le boucher, ça va être rigolo, c'est le mec qui n'a pas de chance. Et donc, c'est un truc comme ça qui se fabrique sans être prémédité, mais c'est plus. Je pense que c'est vraiment les histoires qui se construisent au fur et à mesure, et puis les choses ont lieu clos aussi, peut-être. Quand on voit ça dans pas mal de... j'ai l'impression que c'est un peu le passage naturel, quoi. Dans Astérix, on voit le poissonnier, tout ça prend de l'importance au fur et à mesure, c'est automatique, c'est le poissonnier, ça se fait naturellement. Là, je pense qu'en étant dans un petit village, dans une petite ville, la grand-mère, les pépés boulistes... il va aller les chercher plutôt qu'aller inventer un nouveau personnage. Donc, inévitablement, oui, ça enrichit tout ça, quoi. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler quand même des coulisses de l'histoire de l'autre dimension pour expliquer juste simplement alors qu'un battable va se retrouver dans notre réalité, en fait, puisqu'il rencontre un personnage qui veut traverser la dimension pour rencontrer littéralement ses créateurs, donc forcément c'est notre univers. Et donc c'est des photos alors que tu as prises, enfin que la ville de Saint-Malo t'a donné à quai début, mais moi je me demandais, c'est des dessins qui ont été rajoutés numériquement sur les murs après des bâtiments, ou vous aviez collé en fait des personnages sur les murs comment est-ce que vous avez fait cette histoire? En fait, ce qui s'est passé, c'est... Non, ça a été réellement réalisé. Il y a quelques années maintenant, un des
un des directeurs, enfin des, un des directeurs d'expo, un des commissaires d'exposition de Saint-Malo me dit qu'il avait envie de faire pour le festival de l'année suivante un truc autour d'un battable. Et il me parle de potentiellement un truc en extérieur. Et moi, j'avais depuis longtemps une idée de faire une aventure dans le monde. Dans le monde réel. En fait, il y a quelques années, on m'avait proposé. Tout ça c'est assez compliqué. Il y a quelques années, il y a eu Vas-y. une exposition à Lyon autour du travail de Scott McCloud sur l'art invisible, sur son ouvrage L'art invisible. Et le commissaire d'exposition avait décidé d'illustrer certains concepts de l'art invisible avec des planches de BD. Il avait choisi 7-8 auteurs. Donc, il y avait des planches d'imbattable dans cette exposition au musée de l'imprimerie à Lyon. Et ils avaient un partenariat avec un parking qui correspondait au parking qui correspond au musée, quoi, dans le métro. Et leur partenariat était de décorer les murs de ce parking, les ascenseurs, tout ça. Et il m'avait proposé de voir si je voulais faire quelque chose avec ça. Et le problème, c'était au moment de la sortie du tome 1, je n'avais pas du tout le temps, il aurait fallu que j'aille sur place. Je ne pouvais pas me bloquer un mois, mais ça a fait un chemin dans mon esprit en me disant, c'est vrai que ce serait super intéressant de faire une histoire qui s'inscrirait dans la réalité, mais qui serait écrite en fonction du lieu dans lequel elle est, parce que finalement, c'est l'architecture du lieu, le fait qu'il y ait des portes coulissantes à tel endroit, qu'il y ait tel immeuble à tel endroit, qui va déterminer l'aventure finalement. Donc, quand KDBulle m'a proposé de faire une petite expo, je leur ai tout de suite parlé de ça, cette idée de faire une aventure en fonction du lieu avec des personnages qui se promèneraient dans la ville. Ça les a intéressés. Et voilà, donc ça s'est monté avec Régis Thomas, qui est un des commissaires d'expo de KDBulle. Donc il y avait un lieu avec qui il y avait un partenariat possible, qui était la médiathèque de Saint-Malo. Donc on est allé sur place, j'ai regardé un peu, et puis j'ai inventé une histoire vraiment en fonction de l'architecture. Après, eux ont couru après toutes les autorisations, mais voilà, après on a imprimé des gros autocollants, on a installé ça, et ça a été visible pendant 10 jours à l'époque du festival de KDBulle en 2019, je pense. Et les gens, finalement, les gens allaient de scène en scène. Lisait Il l'aventure. pouvait suivre, ouais, c'est ça. Oui, voilà, ça commençait à l'intérieur. C'était les cases de BD qui correspondent à la première planche de l'aventure. Et la dernière case où ça s'ouvre était sur une porte coulissante. Et après, voilà. Après, c'est les photos les prises de vue réelles sans aucun trucage du montage tel qu'il a existé pendant 10 jours, quoi. Donc, dès le début, j'avais pensé la chose pour que ce soit une installation et que les gens sur place puissent lire l'aventure en allant de scène en scène et en faisant une espèce de parcours autour de la médiathèque, mais aussi que ce serait quelque chose que je pourrais réexploiter en album, quoi, en faisant des prises de vue. Puis il y a une certaine mélancolie qui se dégage de la toute dernière case avec ce personnage qui flotte devant un petit peu la mer comme ça. Oui, c'est vrai. Ouais, ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais C'est ce que ça t'inspire quand tu regardes l'océan à l'infini, tu te dis, ah, c'est... Eh Voilà. ben, oui. Après, c'était un peu casse-gueule cette dernière case parce que il reste. Je voulais pas que ce soit trop anxiogène parce qu'il reste quand même coincé dans l'univers. Ouais. Pour ça, je lui ai mis un petit sac à dos. Chose comme ça pour que ce soit pas trop flippant, mais Non, mais il y a quelque chose de touchant parce qu'il est un peu, bah, il est dans son monde et enfin littéralement en fait il est un peu dans son autre monde et c'est, je sais pas, alors je sais pas du tout si tu l'as pensé comme ça, mais de se dire que chacun est un petit peu aussi dans sa propre réalité parfois et à juste à contempler.
Ouais, après, c'est vrai que c'est aussi l'univers d'Imbattable qui m'oblige à faire. Enfin, le fait de le faire rentrer dans des. Dans la logique de tout ce qui a été fait pour l'instant, m'obligeait aussi à déterminer notre réalité comme ça. C'est-à-dire que le personnage dit c'est le monde des dieux, parce que dans ma tête, pour moi, les lecteurs, c'est eux qui donnent vie à la bande dessinée en la lisant. Dans le lecteur, une bande dessinée, c'est juste des petits dessins. Des cases, des petits dessins dans des cases, quoi. Ouais, pour que les personnages vivent, il faut qu'ils soient lus par d'autres personnes, sinon. D'où le nom, le monde des dieux, parce que c'est les lecteurs qui donnent vie à l'univers d'Imbattable, quoi. C'est aussi, enfin, en gros, la logique vient aussi de se dire, voilà, dans le monde d'Imbattable, qu'est-ce qu'est la réalité? Dans le monde d'Imbattable, qu'est-ce qu'une page? Qu'est-ce qu'un vernis en sélectif en plus? Voilà. Faut rester cohérent, pour que tout ça tienne, pour que l'édifice tienne debout, quoi. Ouais. Alors j'ai vu qu'Imbattable, ça a été édité dans plusieurs langues, dont l'anglais. Ça a été amené aux États-Unis. Ça s'appelle Mister Invincible là-bas. Et t'as quand même une histoire dans le troisième tome qui s'appelle Imbattable versus Invincible. Et Invincible, c'est aussi un personnage de comics aux États-Unis. Bon, vous allez un peu vous embrouiller avec Robert Kirkman ou pas? Ouais, ça devient un peu fou. En plus, pour compliquer le truc, c'est que la première version, ils ont fait une version numérique où il s'appelait tout bêtement Invincible, une version numérique anglaise, qui je pense, est plus ils font ces versions numériques anglaises plus pour démarcher des traductions, je pense. Mais n'empêche qu'il y a eu une version numérique anglaise où il s'appelait Invincible, et lorsqu'il y a eu une version américaine, en effet, ils se sont posé la question. Il y avait le souci, en effet, de Invincible de Kirkman, mais il y avait aussi le souci des Indestructibles, parce que je sais plus c'est quoi le nom des Indestructibles de Pixar. Incredibles, c'est The Incredibles, je crois. Donc voilà, ils savaient pas trop comment l'appeler, et Invincible, donc ça marchait pas, puisqu'il y avait déjà le super-héros. Et ils ont proposé Captain quelque chose, Captain Invincible. Et moi, ça ne m'allait pas parce qu'il y avait un côté militaire qui n'était pas raccord avec Imbattable. Donc, je leur ai proposé Mister Invincible qui était plus raccord avec l'univers. Et du coup, ça leur est convenu, quoi. Mais en effet, oui, ils vont avoir un petit souci quand j'ai écrit Imbattable contre Invincible. 3, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Après, il y a la traduction littérale qui est Imbattable, mais qui sonne un peu nul, quoi. Mais. Ok, ils pourront peut-être s'adapter là-dessus. Tu disais avant que tu n'étais pas sûr d'un tome 4, mais en ouverture quand même de cet entretien, tu peux nous dire un petit peu quand même si t'as encore de la suite dans les idées pour Imbattable. On va quand même un petit peu, on peut espérer le retrouver. J'ai encore quelques petites idées, quoi, mais comme tout, il faut qu'elles mûrissent. Il faut qu'elles mûrissent, quoi. L'histoire d'Imbattable contre Invincible, là, avec les cartouches de récitatif, ça faisait 2 ans que je l'avais dans un coin de la tête, Ah oui, d'accord. mais que je m'étais dit, il faudrait que je fasse un truc avec ça. Et puis, voilà, faut laisser le truc un peu mûrir. Voilà, là, j'ai quelques notes, mais. Disons qu'il y a pas mal d'écueils, il faut que je laisse mûrir le truc pour voir par quelle boule prendre. Mais en effet, oui, c'est plus sur des principes, encore quelques principes que je n'ai pas utilisés, de choses spécifiques à la bande dessinée. Parce qu'en effet, maintenant, les personnages, ils ont un peu leur vie propre, je peux les mettre un peu en situation et il se passe des choses. C'est les déclencheurs maintenant, ça va être plus. Plus telle ou telle astuce, quoi. D'accord, très bien. Mais écoute, on attendra. Alors, on sera patient et on espère que ça mûrira très bien dans ta tête et puis sur tes planches. Merci beaucoup, Pascal, d'avoir été avec nous. Pour rappel, Imbattable, c'est 3 tomes qui sont à découvrir chez Dupuis. Ça coûte 10,95 € par tome. Et c'est de la très très bonne BD. Vous, vraiment, si vous ne connaissez pas, je vous le dis vraiment, testez et vous serez conquis.
En tout cas, on espère que ce Super Friends vous a plu. N'oubliez pas que les partages, c'est le plus important pour pouvoir faire vivre le podcast. C'est comme les personnages de BD. Pour que le podcast vive, il faut qu'il soit écouté et partagé au plus grand nombre. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast sur First Print. Salut.